incriminé. L'honorable Edouard Mwangachuchu, Izzy, est malade. Il a subi une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps, souffrant de l'hypertension artérielle, le traumatisme et l'anxiété de ces derniers mois l'ont considérablement affaibli et l'ont détérioré sa santé cardiaque, délicate et son bien-être général. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels oblige le droit à la santé. Sur ce, le refus de la Cour à rendre collective la liberté provisoire afin de prévenir sa santé est une violation flagrante des droits de l'homme qui entrave en même temps l'état de droit prôné par le chef de l'État lors de son accession au pouvoir. Rappelons qu'au cours du mois de décembre 2022, l'honorable Mwangachuchu a été admis aux urgences du American Hospital de Dubaï. Ses poumons et son système immunitaire étaient affaiblis car il avait du mal à respirer sans l'aide d'un appareil respiratoire. Ce qui est grave, ceux qui gèrent la prison de CPRK ont confisqué son appareil respiratoire que sa femme avait apporté à la prison. Toutes les vitamines et tous les suppléments lui ont été apportés pendant son incarcération et ont été confisqués et emportés par ces gens. On sous-entend que la prison veut sa mort. De plus, l'honorable Mwangachuchu est un homme bien âgé qui a d'autres maux physiques qui nécessitent une évacuation dans de meilleures conditions afin de s'assurer que sa santé ne se détériore. À titre illustratif, il souffre de douleurs chroniques et il est en retard pour une chirurgie complète et remplacement de la hanche. Son opération de remplacement de la hanche devait avoir lieu l'année dernière, le 29 mars 2022. À raison de l'horaire chargé de supplémentaire, cette opération a été reportée et aurait dû avoir lieu à la fin du mois de mars. L'honorable Mwangachuchu a développé par la même occasion l'arthrite de mouvements simples, comme s'asseoir et marcher, sont très douloureux pour lui. Voilà pourquoi nous, ONG Mouvement Citoyen et Activistes Pro-Démocratie, demandons une liberté provisoire afin que sa santé puisse être garantie. Il ne va pas fuir. Nous vous remercions.